D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit pack opening. On va également avoir un petit coffre à couronne. Et également, il y a aussi le petit défi que j'ai lancé ce matin. Je me dis pourquoi pas faire un petit 2v2 en ligne, ça peut être sympa. Donc voilà, petit pack opening, au niveau des caisses on n'a rien pour l'instant, dans 1h35 j'ai un petit coffre gratuit je pense, ou une carte. L'un des deux coffres géants, encore pas mal de, il me faut encore 270 cartes, donc je suis encore un petit peu loin. Niveau des cartes, là, du dernier défi, carte épique, bah, je me rapproche, mais bon après c'est que 20 points de quête. Donc on va faire le petit pack opening, puis après on va attaquer, ouais, on va ouvrir un petit coffre d'argent. 78 d'or, une TDE, 13 zap. Ok. Est-ce qu'on fait en ligne d'abord ou on fait le 2v2? 2v2 c'est quoi comme truc? Bon allez, on part en 2v2, je sais pas ce que c'est comme mode. 2v2 mais quel mode, je sais pas. Je sais pas si c'est le... Ah ok d'accord, c'est juste 2v2 sans plus quoi. Bon, on joue à normal, mais je pense après je vais attaquer en ligne aussi pour avoir un petit coffre. On va voir, ça peut être intéressant. Donc c'est vrai qu'on est deux, Pas mal de dégâts pour l'instant sur la tour. Quoique eux aussi ils ont fait quand même pas mal de dégâts. Ouais, ils ont fait plus de dégâts que nous sur les tours pour l'instant. Nickel, le géant est ralenti, ça c'est nickel, comme ça je mets le ballon tranquillement. Je mets tranquillement le ballon, la horde, enfin le ballon, la horde, donc du coup je mets la horde parce que il y avait aussi quelques troupes à détruire. Oh il a le ballon, tiens. Ah il a moulin ce ballon, ça c'est cool, tiens. Nickel ça. Donc ouais, par contre, là les adversaires, ils ont... je crois qu'ils ont les deux. Les deux, ils ont le... La tornade, et ça c'est un petit peu embêtant pour nos decks. Pour nos decks respectifs, le molos, enfin molos ballon ou géant ballon, c'est assez embêtant. Ok, pas trop de soucis. On va tenter un petit géant. Géant ballon, non. Un petit barbare. Ouais, ok, la princesse. C'est vrai qu'ils ont quand même un deck en face qui est quand même relativement gênant pour nos decks. Hein. La princesse qui est un petit peu gênante. Le géant ici. On va essayer de faire un gros combo avec s'il peut. Mon coéquipier faire un gros combo. Je vais mettre le canon, ce sera mieux. On va essayer de faire géant, ballon, horde. Ça serait cool. Ou on va attaquer, on attaque des deux côtés sinon. Ouais, je sais pas. Ah ok. Il joue le ballon, mais moi j'aurais bien attaqué à gauche en fait. Le ballon, est-ce qu'il touche la tour? Non, toujours pas. Ouais, ils ont les deux la tornade. C'est vrai que c'est chaud là quand même. Deux la tornade. Ça va être chaud là. Il faudrait juste une petite couronne en fait. Juste une petite couronne, ça serait cool. Allez, on peut avoir quand même la couronne de droite, je pense. Quand même. Si même petit jambalon. Ouais, ça va être chaud là, Je mets le ballon comme ça, il reste 8 secondes. S'il touche la tour, on égalise, sinon, bah non. Ouais. Dommage. Pas de couronne, mais ouais, on va attaquer en ligne, ça sera mieux comme ça. On va essayer d'avoir le coffre à couronne, parce que quand même, il nous reste juste une couronne, ce serait dommage de ne pas le... Ah, c'est un entraînement, du coup, en plus, je peux perdre autant de fois que je veux. Ok, c'est plutôt cool. Avec coffre de clan, on fait ça. Vu qu'on a que niveau 1, je crois, en plus. 108 d'or, 2 chaucheurs, 15 esprits de feu. Oh, une tournade quand même. Je crois qu'il était niveau 1. Une tournade, une épique, c'est quand même pas mal. Ensuite, coffre d'argent. 87 d'or, une pierre tombale, 13 gangs de gobelins. Ok, coffre en or. 306 d'or, 13 esprits de glace, 26 gobelins, 4 béliers de combat. Oh, une épique également. 2 épiques, dis donc.
foudre, donc un petit foudre. Ensuite, dernier coffre en or, on a 222 d'or, 8 gangs de gobelins, 14 esprits de feu, 18 chevaliers et 4 sorciers. Ok, bon, c'est quand même, voilà, des petites cartes, ça reste quand même pas mal. De toute façon, là, il me manque juste le ballon dans ce deck-là et la princesse. Et sinon, au niveau des cartes, il manque de moins en moins de cartes, on va dire. Pas mal de rares, pas mal d'épiques, mais le reste, apparemment, ça, j'ai toujours niveau 1. Chasseur, toujours niveau 1. Bon, on va attaquer, mais le chasseur, ouais, j'ai toujours niveau 1. C'est vrai que je l'ai pas eu beaucoup dans les coffres, c'est vrai. C'est une épique, ouais. Ben, je l'ai eu une fois, je sais pas si je l'ai acheté ou... Non, je l'ai pas acheté. Non, je l'ai obtenu dans un coffre. Je crois que là, j'en avais eu qu'un, c'était dans un coffre, super coffre magique. Enfin, c'était, en tout cas, c'était un bon coffre, je crois. Me semble-t-il. Je crois d'ailleurs que je vais bientôt avoir, en parlant de bon coffre, je crois que je vais bientôt avoir un super coffre magique ou un coffre magique qui va bientôt arriver. Faudrait que je regarde sur le site là, Stat Royal, pour voir un petit peu les prochains coffres, mais je crois qu'il y a des bons coffres qui arrivent. Il y a des bons petits coffres qui vont arriver, donc ça c'est plutôt cool. Je vais regarder d'ailleurs là le temps qu'il attaque. On va regarder en même temps. Mon prof. Oh mince, ah, par contre ça j'ai pas vu. J'ai pas vu qu'il avait mis le ballon. Ça c'est embêtant. J'ai pas fait attention à la game. Ok, en plus il a mis des flèches. Bon, ça charge. Pour mon profil, ah, ça va être chaud là. Bon, il faut au moins une couronne. Si on perd, c'est pas très grave. Au moins une couronne, c'est le principal. Delta princesse. Alors, oui, j'ai bientôt un coffre magique. Voilà, j'ai bientôt un coffre magique. Également un coffre géant qui arrive, mais quand même dans plus de temps. Un coffre magique, donc là je me concentre sur la game en fait parce que je suis pas super comme vous voyez, c'est pas ouf. J'essaie de me rattraper parce que là bah, j'ai un petit peu échoué, hein, parce que apparemment là c'est mis les flèches à gauche, c'est fini pour moi. Oh yes, il les a pas mises. Oh yes, le ballon qui tombe juste avant. Oh non, il tombe à la tour, dommage, il tombe sur la tour, c'est dommage ça parce que. Bah, du coup, ça fait beaucoup de dégâts. Donc là, j'ai une tour, pour l'instant 0. Pour l'instant 0, c'est pas fini, évidemment. Oh mince, par contre, j'ai mal joué là. J'aurais dû mettre le canon plus proche pour que. Bah, il perde moins de vie. Bon, c'est pas grave. On va faire avec, il reste 40 secondes. Est-ce qu'on peut gagner? Il y a moyen de gagner. Ah, par contre, là, c'est sûr. Ouais, non, j'ai rien dit. Il va même faire 2-1 là. C'est bien parti pour faire un petit 2-1. Vous savez quoi, on va mettre le ballon nous. Bah, par contre le ballon qui va tomber sur la princesse, c'est pas cool ça. Yes. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'on va faire un petit 2-1 pour l'instant, mais il va rattraper. Il va rattraper ça. Ouais voilà, il va rattraper ça quand même. Enfin je pense. Hein. Il reste 8 secondes. Suspense. Et non. Donc voilà, 2-1, on a 2 couronnes. Bon, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça, deux petites couronnes. Donc ouais, donc normalement j'ai un coffre en or, si je ne me trompe pas. Non, coffre en argent. Ok, bah, dans 19 coffres, j'ai un coffre magique. 19. Donc c'est quand même pas mal. On fera un petit coffre magique prochainement dans une prochaine vidéo, donc je l'ouvrirai. Alors on ouvre ça, enfin on met juste à commencer à ouvrir. Et on ouvre le coffre à couronne surtout qu'on voulait. Donc 700 d'or presque, 2 gemmes, 2 mousquetaires, 33 Tesla, 6 cabanes de gobelins et 47 archers. Mais d'ailleurs, je n'y pensais. Pour finir, on va se faire le coffre légendaire que j'avais, bon, pas oublié, mais je me suis dit, est-ce que je le fais ou pas? Ça fait quand même 500 gemmes, je me dis, bah, allez, on le fait. De toute façon, on essaie d'avoir, si possible, la princesse ou le légendaire que je n'ai pas beaucoup, que je peux passer niveau 2 ou niveau 3 facilement. J'espère donc, suspense, l'animation de la carte, c'est parti, on y est, on a mineur, j'espère, combien j'en ai? Ah ouais, 3... Niveau 3, 2 sur 10, c'est pas ouf parce que bah, du coup je pourrais rien faire de plus avec ça. Donc c'est un peu dommage. J'ai quand même un petit screen. Hein. J'ai quand même un petit screen. Donc voilà le petit mineur. Donc voilà, en plus j'avais fait Poke Opening, vraiment un Poke Opening pas ouf. Mais à la fin, voilà le petit mineur, la légendaire. C'est vrai que je n'avais pas pensé, mais je me suis rappelé et je me suis dit tiens, j'avais le coffre légendaire à ouvrir. Donc autant le faire. Coffre chance.
contient au moins un de ces jeux. Ouais, contient au moins une de ces cartes, quoi, en fait. Un coffre sur 10 contient une légendaire. Et là, c'est combien? Il n'y a pas marqué. Non, je sais pas. Bref, du coup, voilà pour ce Pack Opening, notre cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!